Hey, yolo les kings, comment ça va? Moi ça va super bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'avais hâte de jouer parce que là on avait découvert notre maison et une autre petite maison, désolé. Donc on va immédiatement aller à l'intérieur. Écoutez, c'était la nuit, j'ai laissé un petit peu passer le temps, là je pense qu'on devrait être correct bientôt. Ben, le temps de vous montrer la maison. Ouais, le jour va se lever. Alors voici la belle petite maison qu'on va arranger. J'aimerais vous dire une chose. Vous voyez les murs comme ça qui sont brisés? On va pouvoir tout réparer ça. On va vraiment pouvoir réparer ce qui a été endommagé, comme par exemple ici, on va pouvoir re reconstruire la maison. Pourquoi? Parce que lorsqu'on trouve une maison, la première chose qu'on doit faire, c'est de la forge. Bon, venez ici, mais c'est très difficile par exemple de trouver les pièces pour la forge. C'est la première chose que vous devez essayer le plus vite d'avoir. Donc, ça prend de la roche, ça va, c'est facile à trouver. Mais de la lump of clay, c'est de l'argile. Je vais vous montrer où vous le trouvez. Ben là, j'en ai pas trouvé, mais on va dans le trouver ensemble. Donc, la chasse, puis après ça, trouver ça. Parce que ça va nous prendre un objet que je vous montre. Ça, je vais enlever la recherche ici. Voilà, on va aller dans outils. Ça, faut qu'on puisse construire ça. Mais là, on n'a pas trouvé la recette. Ah, il faut vraiment trouver une ville en plus. Ah, ça, c'est un petit peu agaçant ce petit côté-là parce que vous êtes bloqué au début si vous ne vous promenez pas, comme je vous ai dit d'ailleurs. Vous devez vous promener. Bon, ça veut dire que le jour se lève. Quand vous entendez cette petite musique. Donc, on va se faire le plein d'eau. Ça prend de l'eau. Il faut se déshydrater là, dans la vie. Bon, là, j'ai plus besoin de ma torche. Bon, c'est bon. On va remplir nos... Combien on a de bouteilles? 13 bouteilles. Voilà. Va-t-il y arriver? Voilà, on remplit. On va venir ici. Je sais pas si je dois la faire bouillir, en fait, cette eau. On va voir ça ensemble. Non, je pense que... Ben, je vais vous montrer un truc. Si vous voulez savoir si quelque chose est comestible, vous allez dans votre inventaire, vous cliquez sur l'objet, et voilà. Là, vous savez qu'on va augmenter la stamina, l'hydratation va monter de 2, je sais pas quoi. Sauf que... Ah, parce qu'on n'a pas le... On n'a pas... Je vais vous le montrer, on n'a pas ça. Si on aurait ça, on pourrait purifier l'eau. Ouais, c'est ça, ok, je viens de comprendre. Donc là, j'ai besoin de me déshydrater, parce que si je me rappelle bien... Wow, on est quand même pas mal bas, puis il faut trouver de la nourriture. Donc, on va boire un peu d'eau. Voilà, c'est remonté. Et là, on va... la deuxième maison. Je vais aller voir la deuxième maison. Mais il n'y avait rien. J'ai fouillé parce que... Bien sûr qu'il faut vraiment tout casser. Mais ça me prenait de la roche. Attendez, je sais pas si je peux réparer. Ah oui, je peux réparer. Ok. Quand vous trouvez une maison et qu'il y a une porte comme ça en métal, généralement derrière, il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas à tous les coups, mais ça vaut la peine d'essayer. Le son, il est un peu fort. J'ai essayé d'ajuster, c'est pas... Si je descends trop bas, vous m'entendez plus, vous entendez plus le son. Si je monte, il n'y a pas de juste milieu. C'est très difficile. D'ailleurs, le son, je vais vous en parler, il est mal fait. En fait, il y a un petit problème, c'est que ça fait trop de bruit. Dans 2 minutes. Encore. On va-tu la péter cette porte? Il est mieux d'avoir un coffre. Ah! Bon, je vous explique. C'est que si un zombie, par exemple, je suis à l'extérieur, il y a un zombie qui se trouve ici. Moi, je regarde comme ça, j'entends le cri. Mais même si j'ai des très bons corsaires, c'est des 7.1, j'arrive pas à savoir d'où vient. J'entends un cri, mais il peut être partout. Donc, c'est pour ça, des fois, vous me voyez comme ça, parce que j'entends le cri, mais je le vois pas. Ça, c'est un défaut pour le jeu. Ah, je savais. Oh non. Il est barré. Puis je sais pas comment les débarrer. D'après moi, il y a un objet qu'il faut que je construis. Bon, bref, c'est ma femme. On a trouvé un coffre. Ici, c'est vide.
Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y avait rien, mais rien d'intéressant. À part qu'ils ont une très belle cuisinière. Je vais vous montrer. Wow! C'est beau! C'est beau! Un beau frigidaire moderne. Hein? Un beau des beaux divans. Voilà. Mais rien d'intéressant. Je la trouve plus petite que l'autre, donc on va s'installer dans celle-là ici. Bon, là, on va partir à l'aventure. Donc, on va casser de la roche. J'en ai besoin parce que là, si je veux me faire des flèches, je vais vous expliquer aussi deux, trois petits points importants que peut-être que vous vous êtes posé la question. Juste ramasser un peu de pierre. On y arrive, et voilà, tu casses. Bon, alors les chiffres que vous trouvez en dessous, que ce soit de vos armes ou de vos outils, c'est la qualité de l'outil en fait. Alors, comme là, j'ai aucune idée d'où il vient. Je ne sais pas s'il est en arrière, à gauche ou à droite. C'est très agaçant ce petit côté-là, mais bon, bref. Ça l'a veillé. C'est pas grave, le jeu est très bon pareil. Bon. Ah! Je la vois. Elle s'en va. Alors, je vous explique. Bon, j'étais rendu sur les points ici. C'est en fait la qualité de l'objet. Alors, plus les points vont être élevés, bien sûr, plus il va être soit qu'il va faire des dégâts, soit qu'il va permettre, briser les blocs. Vous avez compris quoi. Plus vous allez avoir une... Vous allez augmenter votre qualité au niveau de la réparation des outils. Et plus quand vous allez réparer, vous allez augmenter les chiffres ici. Mais parfois, c'est mieux de jeter et d'en fabriquer un nouveau parce que vous pouvez passer de 6 à 20 d'un coup. Donc, ça vaut la peine des fois de se débarrasser d'un objet. En fait, d'en fabriquer un deuxième parce que vous avez mis vos points. Et là, j'ai autre chose à vous montrer. Hey, t'en profites, toi, hein? On fait pas ça quand je fais des vidéos. Oh. Oh, mais merci beaucoup de la nourriture. Mais ta sandwich pour lui, tu peux te la garder. Alors, je vous explique autre chose. Est-ce que c'est une autre... Oh. Les amis, on a une autre maison. J'adore. Mais je vous explique autre chose, les amis, que j'ai découvert. Vraiment important. Hier, on avait un peu de difficulté avec les points. J'ai tout compris. En fait, c'était ridicule. Non, c'était pas ridicule. C'était hyper compliqué. Non, sérieux. Franchement, fallait être vraiment très intelligent, avoir plus que deux neurones pour trouver la solution. Je l'ai trouvé, les amis. Hier, j'avais raison. C'est effectivement ça, c'est les points que ça coûte. On en a quatre présentement. Alors, je vous montre un exemple avec l'archer. Ça me coûterait un point pour augmenter ça. Là, présentement, je fais 1.1 de plus en pourcentage de dégâts sur les ennemis avec mon arc. C'était ici. Regardez, il est tout petit. Bye. Donc là, vous regardez ici. Et boum! Voilà. Et on vient de dépenser un point. Alors, vous comprenez que quand je vous disais que c'est un jeu RPG, regardez tout ça. Vous avez... Tous ces points RPG à augmenter, c'est juste monstrueux. Si vous voulez un jeu de survie où vous devez avoir des points RPG en plus de construire, ben c'est le jeu. Là, je cherche de l'argile. L'argile, on la trouve là. En fait, c'est le sol. Il faut le ramasser avec une pelle. Donc c'est pour ça que je me suis fabriqué une pelle. Et le sol doit être d'une certaine couleur. C'est comme orange. Coucou! On va manger un petit peu parce que si je me rappelle bien, notre nourriture est très basse. Oh! Un chevreuil. Ça nous prend de la peau. Allez, cours, chevreuil, cours. Je vais te rattraper, je vais te tuer. Je suis nul à l'art. Non, j'ai touché. Ce qu'il faut savoir, quand que vous le blessez, parfois il meurt au bout de son sang. Vous courez après, puis là vous le voyez tomber. Ou sinon, il faut tirer une deuxième flèche. Mais là, avec les dégâts que je fais, c'est sûr que je dois tirer une deuxième flèche.
Allez, emmène-nous vers une ville. Sauve-toi vers une ville. Cours vers une ville. Non, mais là, arrête de courir, par exemple. Parce que j'ai pas envie de courir pendant 3 heures après toi, là. Voilà, c'est ce que je disais. Monsieur est mort là. Dans l'eau. Ah, ben, c'est correct. C'est correct. Oui. Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je peux pas. Pourquoi je peux pas prendre mes items? Hein? Ok, ça a débloqué. Hé! Hey, mon chevreuil! Je crois que ça va être compliqué. Voilà. Ah, 6, 7, 8, on en a 8. 9, 10, c'est pas mal. What the fuck? C'est pas correct. Toi, je t'aime pas. Ben, il y en a pas un que j'aime. Tiens-toi! T'as perdu la tête et tu t'écartes pour moi. Je suis pas ton genre. Non, non, non. N'allez pas dire, Nat King, pourquoi tu regardais là? Wow! Vous avez fini? Oui, 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 blablabla, blablabla. Pourquoi je peux pas courir? Ah, parce que j'étais en mode... Bah, c'est quoi ça de se cacher dans le sol comme ça? Hein? Profiter d'un glitch? C'est pas très cool. Tu vas te la prendre, oui? Eh! Oh! Eh! Non! Eh! Quand même. Faut pas exagérer, hein. Tu vas mourir, oui? T'es mort? Oui, t'es mort. Non. Là, j'étais en train de... Mon chevreuil, est-ce qu'il est toujours là? Ouais. Il ne doit plus rester grand-chose. Non, c'est le reste, je m'en fous. C'est pas ça donne des os et les os, ça m'intéresse pas. Bon, ben, on a trouvé de la nourriture. On a trouvé de la peau. C'est parfait. Et là, on va retourner vers l'autre maison qu'on avait trouvée. Il y a aussi... je vous donne un truc... Est-ce que je m'étais perdu là, dans ce que je vous disais? Non, ok. Il y a aussi, je vous donne un truc. je pars pour ne pas oublier un... Et j'oublie ce que je m'en allais vous dire. C'est n'importe quoi. Map King! Oui, c'était au niveau de la map pour trouver de l'argile. Il recommande de... Si on voit du gris comme ça, mais quand on l'a découvert... Ben, soit c'est proche des roches, ici, comme ça, genre ici, on va venir voir ici. Ah ben, je pense que c'est là qu'il y a une maison. Là, il y a une maison. Ou soit, vous regardez le sol, et lorsque vous voyez qu'il est orange, vous prenez votre pelle et vous allez creuser, ça vous allez ramasser de l'argile. C'est important. Comme ici... Je crois pas, on va quand même essayer. Non. Non. Je dis non, mais on va aller vérifier. C'est quoi j'ai ramassé? C'est quoi? Je l'ai ramassé. Hein? J'ai pas ramassé de la small tombe. Oh! Ça, c'est super important. Il faut regarder où il va larguer sa caisse. Son parachute, là. Vous m'avez compris. Ah, il l'a pas jeté. Non. Non. Hein? Oh, c'est là-bas. Oh, ça risque d'être loin. Ou que ça me tente peut-être pas d'y aller. Parce que c'est très, 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 très loin. Je vous le dis tout de suite. Je crois que ça vaut pas la peine qu'on y aille. Mais on va quand même faire un truc, faire quelque chose. On va s'indiquer. Il est droit devant nous, comme ça.
Oh, on va l'indiquer ici, mais c'était très difficile de trouver parce que en plus, quand qui est au sol, la caisse, on la voit très mal. Wow! C'est-tu la nouvelle cabane qu'on n'avait pas? Oui, hein? C'est la nouvelle cabane qu'on n'a pas vue. C'est pour ça qu'il y a des zombies autour. Meurs! Combien qu'il me reste de flèches? 15? Ah. Wow! Hello! Elle m'a fait peur, celle-là. Je sens qu'il y en a un autre. Ah oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ça, c'est la viande qui les attire. Wow! Ok, bonjour. Ben là, excusez-moi, là, mais je sais que je sens bon. Meurs, zombie! Bon. Ils sont où les autres? Il me reste 10 flèches. J'ai tiré entre les jambes. Vraiment, vraiment ridicule. Boum, dans ta tête. Bon, allez, ton tour. Excellent. Bref. Manqué. Bref. Non, t'es mort. Bon, toi, Miss, qui me fait peur de. Avec, en arrivant. Oh, il me reste cette flèche. Où es-tu? Où est ton corps? Ah, bonjour. Non, merde! Bon, toi t'as rien, toi. Bandage, mais banal. Et une sandwich pourrie. Bon, ben, on a fait le ménage, les amis. Génial. Oh là 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 là. Oh là là. Oui, j'aurais pu me blesser, puis en plus, ça fait saigner après. Ça, c'est ce qu'on va construire nous-mêmes. On va pouvoir défendre notre base avec ça. Des pics. Des bombardiers. Oh, c'est des bombes. Oh. Bon, ben, fouillons. Il n'y a rien. J'aimerais vraiment trouver... Ah! C'est ce que je voulais! Oh ouais! Les... Ah, c'est parfait! Ah, ça finit bien cette vidéo. Bon, ça, il dégage. Je serai que dans le four. Ah, c'est parfait, là! Ah! Bon, j'ai l'air un petit peu excité pour avoir trouvé... cooking pot. Mais, pour survivre, c'est génial. Alors, on va prendre une torche parce qu'on voit rien. Coucou. Voilà en haut. Il y a des beaux cartes. Les cartes, vous pouvez les prendre, hein, puis les mettre dans votre maison. Là, là pour l'instant, ça va, là, ça m'intéresse pas. Ça va prendre de la place pour rien. Bon, avec un petit feu de camp. Bon. Ben écoutez, on va arrêter la vidéo ici, parce que là, ça fait 20 minutes. On va aller... Non, attendez. Attendez, je vous laisse pas ça comme ça. On va retourner à notre base. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Je voulais sortir. Oui, on a faim. Justement, on a trouvé ce qu'il faut, mon cher ami. Allons vers la maison. On a une belle route pour aller d'une maison à une autre. Ça, c'est la petite maison qui nous intéresse pas. Bon, ça, c'est rien. Non, il n'y a pas de maison ici. Eh oh, la maison. Oh, attendez, attendez, attendez. Je pense que c'est ça. C'est ça? Non. Non, pour celle-là. Je pensais que j'avais trouvé de l'argile. Hey, cette maison-là, finalement... Ah non! les amis! Il faut faire notre lit. Il faut faire un sleeping bag. Dites-vous sleeping bag, vous, en France? Un lit, quoi. La 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 la! Level 3, yeah!
C'est parce que je m'en allais, il m'indiquait la maison, c'est là où on avait fait notre dernier lit. Donc là, on va en faire un, on va le poser ici. J'ai-tu de la place, là? Attendez, on va aller mettre le truc sur notre feu. Ouais. Voilà, vous le mettez comme ça, et voilà, toutes les recettes viennent d'apparaître. Génial! On va se faire de la viande bouillie. Voilà, de la viande bouillie. On va pouvoir se nourrir. Maintenant, on va aller mettre notre lit en haut. Juste à côté du beau coffre-fort, n'est-ce pas? Que je peux pas ouvrir, n'est-ce pas? Alors, quand que vous avez deux lits, c'est que le dernier lit que vous avez posé va vous servir pour votre save game. Par contre, vous pouvez, je pense, après choisir sur quel lit vous voulez revenir, je pense, mais je suis plus sûr. On verra ma combat. J'ai pas pu faire toute la viande parce que ça me prenait de l'eau. Mais de l'eau purifiée. Mais là, on va pouvoir la purifier, je pense, non? On va aller voir. Je sens qu'il y a un zombie dans le coin. Mais vous voyez, là, je sais pas d'où est-ce qu'il se trouve. Puis il peut m'apparaître à mes pieds comme ça, là. Ah, ça me stresse. Ah, ben voilà. Le voilà. Ça, c'est à cause de la nourriture que j'ai. Ah, je savais là. Ah, non, mais. T'as pu. Non, mais. Lâche-moi! Tiens, toi! Oh, mais manqué en plus. Ouais, j'ai plus de flèches. Les amis. On va pas faire ici. Si, en fait, ils font exprès parce que je viens de poser le lit. T'as fini, ouais! Ah! Ah, mais je te pardonne finalement. Bon, est-ce qu'on peut faire de l'eau purifiée? Oui! Combien? 12! Nice! Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'arrête parce que sinon, je dépasse mon temps. Non, mais attendez. Attendez. Ah! C'était parce que j'étais en train de mourir de faim? Ou à me blesser? Non, j'étais sûrement blessé. Oh, j'ai pas été vite là-dessus. Mais on a posé notre lit juste... 2 minutes avant. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Son on my bed. Donc, voilà. Donc, on apparaît à côté de notre coffre. Génial. Donc, quand vous mourrez sur la map, ça me permet de vous le montrer. Vous voyez, il y a un petit sac à dos qui apparaît. Petit sac à dos, oui, voilà. Donc, vous vous dirigez vers le sac à dos. Et quand vous regardez votre map, vous voyez aussi le sac à dos. Là, je suis vraiment pas montré. Je suis pas loin, hein. Alors, on fait ça. Boum! Voilà. Alors, on disait qu'on a de la viande. Et on a une seule bouteille. Ah, on a dû manquer de bois. Ou pas. Je me demande pourquoi... Ah! Il est arrêté. Je me dis, voilà. Bon, alors voilà. Côté nourriture, on est correct. On est correct. Bon, ben les amis, là, là on arrête pour vrai. Là, on n'entend pas de zombies, on en profite. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, ça fait un plaisir. Alors, comme toujours, préparez-vous pour la prochaine épisode. C'est peut-être ce soir ou demain. Je vous en fais une rapidement. Et on continue notre belle aventure. Je vous montre où est-ce qu'on va aller. On va aller par ici. On va aller examiner. Et on va revenir. Il y a une route là. Donc on va aller voir si on peut trouver un village. Des fois, quand il y a des routes, ça nous amène à un village. Alors, j'espère vous apprécier. Partagez sur Facebook ou sur Twitter. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez apprécié la vidéo, le petit pouce bleu, ça serait apprécié. Et n'oubliez pas, je vous aime. Peace.